Et salut tout le monde, c'est XRouge et aujourd'hui on se retrouve pour le gameplay découverte de Babylon's Fall sur PlayStation 5. Édité et développé par Square Enix et Platinum Games, nous pouvons enfin profiter de cette bêta vu qu'elle avait été disponible outre-Atlantique durant les mois précédents. Ça vous permettra d'avoir enfin un premier retour, un premier feedback de ce que nous propose le hack and slash de Square Enix. En quoi consiste Babylon's Fall? Eh bien, tout se résume à son gameplay assez bourrin. Comme vous pouvez le voir en bas à gauche, je dispose de 4 armes. Carré et triangle seront des attaques que je vais faire de moi-même, qui émaneront directement de mon personnage. Vous voyez que dans mon dos, j'ai une sorte d'écho, comme si les armes avaient une âme. Ce sera avec la touche R2 et L2 que je vais pouvoir les utiliser, et elles se manifesteront directement dans mon dos pour pouvoir attaquer. En fonction des armes que vous allez vous donner, vous allez pouvoir faire différents combos. Et c'est là que vous allez pouvoir vous départager des autres joueurs, à savoir que ce jeu est un jeu orienté PvE, jouable en instance donjon jusqu'à 4 joueurs, vous compris dedans. La barre en haut à gauche, qui a un aspect un petit peu jaunâtre, c'est ma vie. Celle qui est en rouge, c'est le pouvoir que je peux utiliser pour faire apparaître l'écho des armes dans mon dos avec R2 ou L2. À savoir que cette barre partage également la même consommation que ma touche d'esquive qui est le R1. Le sound design est plutôt cool, le gameplay reste assez fluide, mais qu'est-ce que l'on doit noter généralement quand on joue à une bêta? Est-ce que les serveurs tiennent? Oui, au niveau connexion, franchement, Square Enix et Platinum ont fait le taf, ils n'ont pas à se soucier de la stabilité de leurs serveurs. Et franchement, c'est plutôt agréable de jouer à une bêta avec aucun problème au niveau de la fluidité. Pour ce qui est des points négatifs, j'en ai relevé peut-être un en allant chercher bien loin. Comme je vous l'ai dit, il y aura différents combos que vous allez pouvoir faire en fonction des armes que vous allez vous donner. Est-ce qu'en empruntant cette voie, Square Enix et Platinum ne se tireraient pas une balle dans le pied en rendant leur jeu méta au possible? Je m'explique. Admettons qu'un combo d'armes fasse un dégât monumental et pousse donc tous les autres joueurs du réseau Babylon's Fall à adopter cette même technique et ses combos d'armes. On se retrouverait donc avec des joueurs complètement similaires, identiques, avec aucune différence dans leur gameplay, faisant chacun les mêmes dégâts. On se retrouverait donc avec une copie conforme de nous-mêmes en guise de partenaire. La diversité entre vos semblables ne serait donc plus du tout perçu, et on se retrouverait donc dans un jeu où est-ce que ce côté de lassitude, car on trouve souvent que l'aspect répétitif d'un jeu peut amener à son échec, mais la répétitivité d'un gameplay pour tous les joueurs va forcément faire de Babylon's Fall un jeu qui pourrait être lassant très très rapidement. Un autre point qui pourrait s'avérer aussi négatif, mais pas spécialement pour moi, parce que bon, je suis un petit peu habitué avec les chara-design que nous propose Squaresoft, qui est devenu Square Enix. Pourquoi je cite? Parce que Squaresoft, c'était les débuts de Final Fantasy, nous nous rappelons tous des magnifiques dessins que nous avions sur les jaquettes de CD, et même dans les menus du jeu. Eh bien, comme vous pouvez le voir, il y a un aspect quand même cel-shading assez dessin, très prononcé dans Babylon's Fall. Est-ce que ça va déplaire à certains? Oui. Apparemment, sur Reddit, j'ai vu que beaucoup avaient du mal à faire passer la pilule du graphisme au sujet de ce jeu. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas plus que ça. Si ça permet en plus d'avoir un travail plus fluide, parce que Dieu sait qu'un jeu avec des graphismes très poussés aurait différents problèmes, notamment du coup le fait de pouvoir avoir des problèmes au niveau du développement qui engendrerait donc des clippings, des lags. Si cette qualité graphique convient en plus au jeu, au lore, à ce que l'on en tire, pour moi je trouve que c'est carrément cadeau. Après, est-ce que ce graphisme vous rebute? Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Je suis en train de me demander si ce que vous voyez ne vous effraie pas. En bas à gauche, vous avez vu donc que j'ai mis des armes corps à corps pour carré et triangle. Vous pouvez tout aussi bien mettre une arme à distance en carré et triangle ou une arme de corps à corps en R2 et L2. Les animations vont certes différer, mais n'importe quelle arme peut être assimilée à n'importe quelle touche.
Donc il n'y a pas de panique à ce sujet, parce que bon, j'ai un gameplay un peu vanilla sur les bords. Je me suis dit qu'il était plus simple pour moi d'appuyer sur les touches croix, carré, triangle, rond pour faire des attaques qui viennent de mon propre personnage et utiliser des pouvoirs avec les gâchettes. Je trouvais ça plus logique dans ma tête. Je suis en train de prendre feu, je ne me concentre pas et je n'arrive pas à esquiver certains coups. La vie descend plus ou moins vite en fait en fonction des ennemis qui vous frappent. Bon après c'est du donjon mode, hein, donc en fonction de l'ennemi que vous allez avoir en face, s'il a un niveau assez conséquent, vous perdrez beaucoup plus de vie que si c'est un simple trash mob qui vient vous frapper. Voilà, ils sont horribles ceux qui balancent les bombes. Je peux rien terminer. Après je suis pas très très corps à corps. De base dans tout ce qui est RPG je suis plutôt distance. Pour vous avouer, je suis d'ailleurs le healer du groupe, mais il n'y a pas d'armes qui heal. Est-ce que dans la version finale, est-ce qu'on va avoir des armes de soigneur? Je ne sais pas. Ça ne m'en a pas l'air en tout cas. Ça ne prend pas le chemin. Mais si je trouve un autre gameplay avant que je recorde et que je fasse le montage, si je trouve un autre gameplay qui me convient un petit peu plus, je vous le mettrai en fin de vidéo en bonus. Et vous allez pouvoir voir que, franchement, là vous voyez un gameplay, c'est le gameplay le plus basique du jeu que je vous propose, parce que j'ai joué méta au niveau de la synchronisation des touches pour telle et telle arme. Je pourrais tout à fait sortir des sentiers battus en mettant, je sais pas, un bouclier à R2, oui, parce qu'on peut avoir des boucliers, on peut avoir d'autres styles de sceptre magique, pour avoir des animations qui diffère complètement. Le principe après du jeu reste tout à fait classique, hein. Vous passez d'un point A à un point B, un groupe de mobs arrive, essaie de vous tuer, vous devez passer cette étape jusqu'à arriver au boss final. Vous récupérerez du loot avec un système de qualité et de rareté, blanc pour le plus basique, vert pour du non commun, bleu pour rare, et je suppose que violet et doré, qui n'est pas dans la bêta, en tout cas je n'en ai pas encore vu la couleur, seront sûrement présents pour le légendaire et le mythique en qualité rareté du stuff que l'on peut obtenir. Vous pouvez donc enchaîner plusieurs coups avec carré pour finir avec un coup plus puissant qui partira de mon épée. Je peux casser ce combo avec triangle pour terminer avec un gros coup de marteau et inversement. Donc le gameplay reste tout à fait classique. C'est vrai que c'est pas très commun ça, des ennemis volants. Par contre il se fait trucider le pauvre. Chicken mythique quoi. Le pauvre oiseau. Par contre, on fait du sale boulot, hein, parce que niveau pierre, niveau caillou, c'est pas énorme. Je pense que ça doit vraiment dépendre aussi justement des dégâts que l'on fait nous-mêmes, le temps que l'on met à détruire, à passer une phase, à tuer nos adversaires. Je pense que ce n'est pas dans un gameplay si vanilla qu'il faut que j'aille chercher le high score d'une zone à clean. J'aimerais bien un joli petit combo avec bâton de mage, pourquoi pas rester à l'épée pour faire un mage lame, mais favoriser la distance, peut-être garder l'arc, je ne sais pas. On verra bien, mais en tout cas, c'est le boss final. J'ai bien entendu fait, je l'ai déjà fait ce passage, vous allez être amené bien entendu à refaire plusieurs fois les mêmes étages de la tour de Babylone pour pouvoir avoir un meilleur stuff et passer aux étages supérieurs qui vous demandent un high level plus conséquent. Cette fois-ci, je vais essayer un petit peu de mieux jouer de l'esquive quand même. Les mates, je sais pas s'ils sont habitués au RPG parce qu'ils bourrinent le boss sans buter les trash autour.
Alors que c'est bien connu, dans une stratégie basique de MMO, on tue toujours les petits soldats avant d'attaquer le chef. Bon, il aura pas duré longtemps. Et bien on l'a bien aimanté. Voilà, bon, mais je ne vais pas vous en montrer davantage parce que bon, ça reviendrait à du spoil, hein. Mais si vous avez une petite surprise en fin de vidéo, c'est que j'ai trouvé un gameplay assez conséquent à vous montrer. Je vais donc vous laisser là-dessus en espérant que cette découverte de Babylon's Fall vous aura bien plu. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien tout le monde, et à ciao! Incroyable. Ah mais c'est le boss déjà! Bon allez les gens, ce passage, je vais vous le montrer. J'enchaîne avec un petit coup d'épée dans le vent pour pouvoir enclencher le combo de l'arc avec triangle qui envoie une salve de flèches. Et je coupe tout mon combo avec le coup de L2 pour faire un reset complet de mon combo. Donc ça fait coup d'épée dans le vent, flèche multiple et boule de feu. L'épée que je me suis mis en âme derrière avec R2 ne me sert clairement à rien, je suis en train de... Ben comme je vous ai dit, en train de chercher le meilleur combo d'armes possible, et j'ai trouvé un truc qui me convient parfaitement. La vie descend tellement vite sur les trash, c'est incroyable. Ah, c'est pas pareil. Mais par contre, c'est ça. Ça aussi, c'est un putain de point positif, parce que le gameplay diffère complètement. Il suffit même de changer une seule arme pour voir un gameplay qui diffère complètement. Tout ce que je vous ai montré pendant le premier étage de la tour de Babylone, là, ce n'est plus du tout le même gameplay que je vous offre. On est sur un truc clairement à distance qui défonce tout. S'il y en a qui arrivent à faire des gros gameplays corps à corps, bah, je serais ravi de les accompagner, moi, en distance, en soutien comme ça. C'est... Ah, il peut même pas me toucher, quoi. Bon, par contre, faut que je trouve une alternative au niveau des stuffs parce que c'est très manavore. Ma barre rouge, je ne la vois quasiment jamais. C'est ma petite salve de flèche qui, quand elle touche, me donne à peine le peu de pouvoir qu'il me faut pour faire la boule de feu et reset mon combo. Ce qui me tarde de voir par contre, c'est la médaille que je vais avoir. J'espère que je vais pas avoir rank stone à la fin. Allez, crève. Alors voyons. Ouais, ben voilà le gold. Ben ouais, je pense qu'il faut partir vers là. Incroyable.